Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie détection. Je suis en solo, j'ai pas été accompagné par les copains malheureusement, mais c'est pas grave, il fait bon, on va faire une petite sortie dans les bois. Et je suis triste de vous annoncer ça, mais il fallait que je vous l'annonce, de toute façon d'une façon ou d'une autre, fini les sorties détection. Ben, parce que la loi change, la loi évolue, pas dans notre sens. Elle est de plus en plus préjudiciable contre nous, donc je vous dis honnêtement, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça fait 14 ans que je fais des vidéos, 14 ans que je filme nos sorties avec les copains et tout. 14 ans que la loi ne s'améliore pas, justement, elle est de plus en plus compliquée pour nous. Premier exemple, vous déclarez vos trouvailles, il faut savoir que le lieu où vous avez déclaré votre trouvaille avec peut-être une trouvaille qui les intéresse est considéré comme un site archéologique maintenant. Donc forcément, vous ne pouvez plus y retourner. Les propriétaires des champs, des prairies, ben, ils peuvent être un jour un début de fouilles archéologiques sur leur terrain, donc premièrement. Deuxièmement, les gendarmes. Il y a des sections de gendarmes qui sont habilitées à nous traquer un petit peu partout, à traquer le prospecteur tout simplement. Puisque maintenant, dès que vous allumez votre détecteur, vous êtes hors la loi. Donc compliqué. Et pour finir, effectivement, les vidéos sur YouTube avec les sons, bon, c'est une accumulation de choses qui me dit qu'au bout d'un moment, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'arrête parce que je vais vraiment avoir des soucis au bout d'un moment et puis je serai tout seul à gérer ça, je serai tout seul avec ma femme, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai pris plaisir pendant 14 ans à faire, 13 ans à faire ces vidéos. J'ai eu toujours des bons retours, ça m'a toujours motivé à continuer, même si la loi se durcissait petit à petit, j'ai toujours voulu continuer pour les abonnés, pour vous, pour moi aussi, hein, je vous dis honnêtement. Mais là, je m'aperçois que c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Pour l'instant, en tout cas, c'est plus la peine. Je vous dis pas dans quelques années si la loi s'améliore, si on travaille un petit peu plus avec les archéologues, ce que je souhaiterais. Tant mieux. Mais là, pour l'instant, c'est mal parti. Donc, écoutez, on profite ensemble de cette dernière sortie. Alors, je finirai pas les vidéos. Vous aurez toujours des vidéos historiques qui me portera beaucoup moins de préjudice. Donc, vidéo historique, vidéo peut-être de caméra de chasse. J'essaierai de faire modifier un petit peu ma chaîne. Au niveau du thème, ça va pas être facile, je sais que j'aurai moins de vues aussi, c'est le cas, mais c'est pas grave, je fais pas pour nombre de vues, je fais pas pour les monétisations, vous savez que les vidéos sont pas monétisées, je fais ça pour mon plaisir, voilà, tout simplement. Écoutez, on part ensemble, j'espère vous trouver quand même quelques trucs sympas, ça me ferait plaisir aussi, et puis écoutez, on rallume dès qu'il y a une petite trouvaille. Allez, à tout à l'heure tout le monde. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un banc de grues qui se barre. C'est la migration. Tout le monde, ces bruits. Alors, ça veut dire que le froid arrive. Alors, en attendant, écoutez, je pense que j'ai fait... Oh, j'ai le détecteur à côté. Ça sonne. Je pense que j'ai fait un petit bronze. Un petit bronze gaulois. Et qui, malheureusement, un petit peu fatigué. Je pense que c'est un bronze. Hein. En tout cas, c'est une monnaie. Bon, on saura pas. Allez, je continue. A tout de suite. Ouais, je sais pas où elles sont, mais... font du bruit, les copines. Allez, à tout de suite. Allez, c'est pas une trouvaille. Bon, là, vous voyez les champignons, forcément. Pour vous montrer un petit peu la taille des pieds de mouton là. Bon, il est un petit peu passé celui-là. Mais le bestiau comparé à ma main. Ouais. Celui-là il est beau celui-là. Mais bon, je ne prendrai pas, j'ai pas de sac. Et en plus, j'ai trouvé des petits pieds de mouton dans un coin assez humide. Des petites. C'est des trompettes de la mort que j'ai fait un petit peu plus loin. J'en ai trouvé 5-6, donc je les ramasse pas. Si encore il y a un tapis avec 100 kg de trompettes, je les ramasse, mais là, bon, ça sert à rien. Mais ouais, je suis tombé plusieurs fois sur des petits pieds de mouton, donc là, je pense que c'est la saison. Il y en a qui commencent un petit peu à devenir orange, orangé, jaune, plus orangé comme ça, mais très foncé. Il ne faut pas les prendre, hein. C'est un petit peu trop, c'est trop, ils ne sont pas forcément bons, voilà, tout simplement. Bon, écoutez, je continue, hein. Je trouve pas grand-chose, je vais commencer à revenir sur mes pas tout doucement. Et puis voilà, allez, je rallume, c'est quelque chose, à tout à l'heure. Bon, petite trouvaille. Et oui, c'est du récent, c'est un centime d'ancien franc, c'est une 10 centimes. Hop, mise au point. C'est une 10 centimes, on voit sa valeur faciale juste ici.
Voilà. Puis derrière, je crois que c'est Marianne, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, bah écoutez, elle est juste là. Ou c'est la liberté peut-être, je me souviens plus. Allez, je continue, à tout de suite. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, bah, pas pour une sortie détection, mais une sortie champignon. Voilà. Je suis avec l'ami Yeti, il est là-bas. Il sort de son coin. Salut. Donc il m'a emmené dans un petit coin. Je le remercie déjà au passage. Alors oui, bon, on se fait un petit peu de champignons. Pourquoi? Parce que vous êtes rendu compte que là en ce moment la détection, bah, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. On a de plus en plus de mal de détecter. Bon, il n'est pas trop véreux celui-là. Je le prends. Ouais, on a un petit peu de mal à détecter. Enfin bon, c'est les lois changent, voilà. Les lois changent et évoluent. Maintenant, si vous déclarez quelque chose en mairie, eh ben la zone de la découverte sera considérée comme un site archéologique. Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, bah, on ne pourra plus détecter. Donc, bah, écoutez, aujourd'hui, ça sera sortie détection. Je vais peut-être faire une sortie détection, enfin champignon aujourd'hui et détection peut-être demain. Mais je vous dis honnêtement, je pense que ça sonne le glas des vidéos, des sorties détection filmées. Donc, voilà, je préfère vous prévenir, mais je pense que les sorties, ça sera de moins en moins filmé, moins en moins courant. Parce que là, au niveau des lois, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ils nous laissent pas de champ de manœuvre, moi personnellement, et puis je pense que c'est pareil pour Yeti, pour Fond Romain, pour Lantulus qui sortent avec moi, je pense qu'on va pas s'amuser quoi, on va pas essayer de prendre des risques. Hein. Donc voilà les amis, bah écoutez, hein, en tout cas pour le moment c'est champignons, je rallumerai peut-être à la fin, si je vois 2-3 beaux trucs je rallumerai pour vous montrer. Alors je suis pas un expert, hein, donc moi je me contente au cep, pied de mouton, s'il y a des vestes de loup aussi, mais le reste quand je connais pas, je touche pas, voilà. Allez, à tout de suite. Ah regardez, hey. Ça, alors je suis pas expert comme je vous l'ai dit, mais ça je crois que c'est du bon, ça doit être des pieds de mouton, oui c'est des pieds de mouton. Tout granuleux en dessous comme ça là. Ça c'est bon ça. Bon bah écoutez, hein, je ramasse ce petit tas et puis bah on continue avec Alain. Allez, à tout de suite. Oh là là, ils sont beaux ceux-là. Hein. Ouais, c'est, bien, hein. C'est quoi, celle de Bourgogne? Des têtes bronzées. Ah, têtes bronzées. Ils sont tout neufs. Ah, bah tant mieux. Ah, je suis sorti aussi tout seul, c'était quand, il y a 2-3 jours. Pareil, un beau petit panier de cèpes bronzés là. Je dis, bah écoutez, ça se remplit. Bon, après, bien sûr, il y a le tri à faire. Hein. Voir tout ce qui est bouffé ou pas. J'ai pas de couteau, donc je l'ai oublié. Donc c'est pour ça que j'ai pas nettoyé les bouts. Voilà, j'ai pas nettoyé tout ça, j'aurais dû. Et puis des petits pieds de mouton. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Allez, on continue. C'est véreux. Ah oui, c'est véreux. On est bien dans ton petit bois, oui. Monsieur Yeti, monsieur le châtelain. Bah écoutez, ouais, on tournicote, hein. Il y a du champignon. Il y en a beaucoup qui sont véreux. Oui ? Non, non, non. Oh le bordel, on dirait un parapluie. Et puis bah là, je suis encore tombé sur des pieds de mouton. Ah bah là, ce soir, c'est pieds de mouton. Pieds de mouton, cep, bien sûr. Là, il y en a un gros, mais vous voyez, moi, quand ils sont comme ça, je leur fous la paix. Je leur fous la paix, je laisse aux autres. Ça trouve, ils sont véreux. Autant les laisser aux limaces. Bah écoutez, on continue. Hein, on continue. Pouah, vous imaginez, ça trouve, on passe à côté des boursées, côté des petites pièces en argent, des petites gauloises, mais bon, c'est comme ça. Allez, je continue. À tout de suite.